Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs. En cette période électorale, Gérard Cohen et moi-même sommes heureux de vous recevoir pour cette nouvelle édition des Petits Déjeuners à notre regard, où nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Aignan en course pour la présidentielle de la République française. Je suis heureux de vous céder la parole afin que vous puissiez nous présenter ce projet avant d'échanger avec votre auditoire. Merci. Nous sommes dans un pays qui ne réfléchit plus, qui n'a plus de vision stratégique. Et c'est pour ça, moi, que je me secoue avec tous ceux qui m'accompagnent. Écoutez, je suis ravie de l'invitation du cabinet Cohen Amir Aslani, particulièrement pour avoir assisté à la présentation du programme du député Nicolas Dupont-Aignan. Je crois d'abord que la France doit retrouver la fierté d'elle-même. Ensuite, je pense que la France doit retrouver sa force économique. Enfin, je pense que la France doit être juste. Parce que c'est la France et que ce n'est pas un pays comme un autre. Les deux conditions ensuite, dont je vous parlerai, c'est que pour mener à bien ce projet, notre pays doit retrouver sa liberté. Et enfin, doit nettoyer la vie politique française. Le niveau, effectivement, de l'intervenant était tout simplement excellent. Et surtout qu'on n'a pas trop l'occasion de le voir, puisqu'il n'a pas trop de temps de parole dans les médias. Donc c'était pour moi une excellente occasion de pouvoir entendre ses idées. Moi, je ne suis pas hostile à la mondialisation, contrairement à ce qu'on croit. C'est un fait historique, de toute façon. Donc, on ne se bat pas contre une marée. En revanche, on doit être agile dans la marée. Et là, on est empêtré. Je l'ai trouvé sincère, je l'ai trouvé pertinent. Il y a un domaine où la France réussit très bien à être ferme, droite, c'est le cinéma. Exception culturelle. François Hollande, Nicolas Sarkozy ont tenu tête à Obama et aux autres sur le cinéma français. Donc, quand la France le veut, ben, on arrive à tenir tête. Bah, écoutez, merci au cabinet Cohen Amir Aslani pour cette initiative. Tout ce qui permet une ébullition intellectuelle et qui permet l'échange est positif. Et moi, j'ai appris aussi des choses aujourd'hui. Donc c'est utile, très utile, aussi pour l'intervenant. Écoutez, je suis Nicolas Dupont-Aignan depuis de longues années. J'ai toujours été très, très intéressé par son discours. Tous les sujets qu'il traite sont des sujets qu'on connaît tous, sont des sujets qui sont rabâchés et exprimés par tous les candidats, mais il les aborde de manière différente, avec une expression qui est très particulière.